Le 15 janvier 2017 restera gravé dans les annales de l'histoire. Pour la première fois, le sommet économique mondial de Davos en Suisse est inauguré par un président chinois, Xi Jinping. L'événement est exceptionnel. Le leader du plus grand pays communiste du monde réussit un tour de force. Il donne une leçon de libre-échange aux élites économiques mondiales. Ça a été un grand moment de communication, je crois, pour la Chine et pour le président chinois. Parce qu'évidemment, la Chine est tout sauf favorable à un total libre-échange.